Salut à tous, c'est Kevin Game 2 et on se retrouve pour encore une nouvelle fois sur Star Wars Lego. Je crois qu'on commence à se rapprocher un petit peu de la fin là, bientôt on va sur la base Starkiller, donc c'est plutôt... On est plutôt sur la bonne voie de finir le jeu. Je crois qu'il reste à peu près encore 3 niveaux, pas plus, mais voilà. Venez, on devrait retourner au Faucon. Ce serait pas con. Voilà, depuis la dernière vidéo, là, il y a eu pas mal de bastons ici. Allez, on y va. Et arrête, et enlève-moi ce sourire, hein. C'est quoi ça? Oh la... Putain. Oh la destruction. Oula, c'est quoi ça? Peau à la rescousse. Ok. Chewie, tu peux t'occuper de ces débris? Chewie? Une seconde, je vais l'analyser. Là! C'est bien ce que je pensais, c'est un arbre. Et tu as un sabre laser, tu te souviens? Arrête de sourire comme dans le mec, quoi! Ça y est, il est content, il se la sent plus, il a un sabre laser. Comme il court Han Solo, c'est un truc de malade. Pour son âge. Pas une égratignure. Enfin, pas de nouvelles. Ah. Ouais, on continue, bien sûr. La résistance. Intrigant, tout cela. La pilleuse d'épave t'a résisté. La force est puissante en elle. Elle n'a pas été formée, mais elle l'a. Et le droïde? Kylo Ren a estimé que nous pouvions nous... Lui avec ses glaces, non mais ça suffit. La fille avait tout ce qu'il nous fallait. Résultat, le droïde... Oh, comme il a osé. Alors qu'il est aux mains de l'ennemi. Il faut donc frapper la résistance avant qu'il ne joigne Skywalker. Nous les avons localisés. Ces deux personnages, ils peuvent pas se voir sans tout. Faites préparer l'arme. Je peux lui extorquer la carte Supreme Leader. Si ce que tu dis. Plutôt Supreme Gollum, ouais. Oh le con. Alors, ramène-la moi. Encore? Mais c'est pas possible! Ah, on se retrouve à la base. C'est un petit moment qu'on ait pu retourner à la base d'ailleurs. Poe Dameron, t'es vivant? Finn! BB-8 dit que tu l'as sauvé. Il a dit tout ça en 2 secondes, lui? Nous boirons vos paroles. Lui, il est comme moi, il a rien compris à ce qui vient de se produire. En comparant les relevés d'astrogation de BB-8 aux données que nous détenons, nous pourrons localiser Luke. L'ordinateur central se trouve derrière ces portes blindées. Quoi, c'est pas bon? Ah d'accord, faut pousser quelque chose, non? Ah, voilà, non? Ah oui, j'avais oublié. Sur Endor, Léa, elle a une capacité, peut demander aux autres de venir. Ah, désolé, général, mais les portes blindées sont verrouillées suite à... un incendie? Ne croyez pas ceux qui prétendent qu'on puisse cuire une saucisse de Nerf grâce au propulseur des X-Wing. La mienne est bien dorée. Je l'ai dit,
Pas plus de 3 secondes. Vous ne pouvez pas utiliser la commande manuelle? Si, si, on pourrait actionner la commande manuelle. Enfin, si on se souvenait de la bonne séquence. Et si on n'avait pas cassé le mécanisme. Bon, il va falloir actionner 2 leviers, puis recharger le circuit. Vite, le temps presse. Évidemment, la tâche voilà. Est plus simple si on n'empilait pas de l'équipement devant... À tout le personnel disponible, rendez-vous aux portes blindées. Je répète que tout le personnel disponible se rend aux portes blindées. Voilà, on a besoin de monde, là. Allez, les gars, messieurs, on se bouge ton cul. Ok, c'est bon. Je me suis fait encore une fois humilié. Bon, vous. Nous devons déplacer cette caisse de stockage. Allez, on y croit. Allez, 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 allez. On tapote, on tapote, on tapote et on tire. Voilà. Merci, vous pouvez disposer. Cassez-vous. Oh, ça doit être du dur acier. Il va nous falloir de l'aide. Je casse tout. Oula. Putain, il faut pas fermer les portes tous les jours ici, hein, parce que si c'est à chaque fois ça pour ouvrir une porte. Que Dark Vador. Excusez-moi, mais... Excusez-moi, je casse tout. Hein. Il peut m'arriver de temps en temps de... Où se trouve l'autre levier? Oh, il est... en pièces détachées. Voilà, c'est ça. Et ces pièces sont... Oh, dans le hangar 3. Désolé. Franchement, je crois que cette saucissonneur... Ouvre la porte, Johnny! Ouvre la porte! Hé, hey, Johnny! Oh, ouvre la porte, là! Oh, c'est quoi, ça? Tu parles pas de basique? C'est bloqué à cause d'une fuite du circuit réfrigérant. La porte s'ouvre de l'intérieur, ce qui n'est pas un problème en soi. Mais Obon ne parle que Boche. Puis-je vous aider? Le Boche est ma deuxième langue. Oui. Fais-toi plaisir. Takuma. Takuma. Koeta. Jamia? C'est bon? Croyta! Il veut pas mourir! Eh oui! Takuma! Ok. Tu commences à me saouler, mon petit! Jamia? Takuma! C'est bon, putain. Dur en affaire, celui-là. Hein. Merci, vous pouvez... Kaysex. Mon avis, on devrait réfléchir un peu... Qu'est-ce qu'il fait? On devrait réduire un peu le personnel, parce que là, il est pas très il est pas très compétent. Tu m'étonnes qu'on se fait défoncer à chaque fois avec la résistance. Eh ben... On dirait les pièces détachées de l'autre levier dans ce bloc de glace. Non, tu crois? Branche le sabre laser, petit, tu vas te faire mal. Ah, quoique, non. Sors ce sabre laser, nous avons besoin de toi, là. Ok. Allez, pousse la vieille! T'es plus de la première jeunesse, je le sais bien, mais bon. BB8! Combien de temps à fondre? Trop! Oh, j'ai une idée. Indice. C'est comme ça que j'ai grillé ma saucisse. Ce n'était pas idiot, tout compte fait. Merci. De vous avoir accepté au sein de la résistance, je veux dire. Bon, servons-nous de ce treuil pour transporter le bloc jusqu'au X-Wing. Le treuil. Le treuil. BB8.
On a dû utiliser une partie des rails pour réparer un vaisseau. Mais vous devriez avoir assez pour combler les trous. D'accord. Dites, si vous relancez le moteur du X-Wing, est-ce que je peux cuisiner une... Non. Ok, pas de soucis. Je comprends. Ok, d'accord. Donc, nous avons fait quelque chose qui ne sert absolument à rien. BB-8, maintenant tu peux bosser. Ok, là c'est bon. Ben voilà, c'était pas si compliqué. Ah, faut encore le détruire. Poussez-vous. L'autre côté, s'il te plaît, tu seras bien. Voilà. Ah, mais je suis con. Ah, c'est malin ça, tiens. Ah, lui, il peut pas pousser. Il est vraiment incapable, celui-là. Voilà, là il va fondre. Là ça va fondre. Voilà. BB-8, tu peux laisser tourner les propulseurs du X-Wing? Encore un truc. Putain, il en faut des trucs pour ouvrir une porte. Hein. Vous devriez changer de serrurier, hein. Franchement, c'est pas la meilleure fille. Bon, ok, c'est vrai que c'est probablement la porte la plus gardée de l'univers, mais... se trouve de l'autre côté. Mais pas la plus pratique. Si je vous reprends à cuisiner au X-Wing... Oh. Absolument faire repeindre ce bras. Personne ne me reconnaît. Sans parler du fait que c'est une offense esthétique. J'espère que je n'aurai plus jamais à remettre les pieds sur cette horrible planète. Les marais sont une chose, mais la pluie acide en est une autre. Merde! Et voilà! Qu'est-ce que tu racontes, toi? Les portes de la salle de contrôle sont aussi verrouillées? C'était pas moi! Général, un nouveau système de sécurité a été mis en place. Mr. Strike, il est encore là, lui! Nous rencontrons quelques problèmes. Je vois ça. Nous pensons que le circuit est peut-être interrompu. Les gars, qu'est-ce qu'on fait avec... Qu'est-ce qu'on fait ici? Dis-moi. Ils me suivent tous comme des chiens. Bon, c'est bien beau, mais... Ah, voilà, il fallait créer quelque chose. Non? J'étais en train de créer quelque chose, là. Ah, d'accord. J'ai créé encore un droïde. Ah. Messieurs, placez-vous devant le scanner, je vous prie. Ah, d'accord.
il est où le scanner? Placez-vous devant le scanner, mon sang! Voilà! Eh ben! Quelle histoire! Bon, encore BB-8! Bon, ça va être comme l'autre mission, là, où on sait pas grand-chose, cette mission, mais bon. Faut bien avancer. Oula. Bon, j'ai pas tout compris. Qu'est-ce qu'il faut faire? D'accord, j'ai compris. Ah ben voilà. Ok, ensuite ça, on le tourne. On tourne celui-là aussi. Enfin, ça devrait tenir pour le moment. Ah ben j'espère, si on va devoir faire tout ça à chaque fois. BB-8, peux-tu charger tes données dans le port d'Astromech? Oh oh, loading, ouais. Il est où le frérot? Général, je suis au regret de vous informer que la carte récupérée sur BB-8 est incomplète. Et ce qui est plus grave, elle ne correspond à aucun système cartographique connu. Nous n'avons tout simplement pas assez de données pour localiser Maître Luc. Comment ai-je pu croire que j'allais le retrouver et le ramener? Le premier ordre est en train de recharger l'arme. Notre système est la prochaine cible. BB-8, tu perds. Pauvre R2. J'ai bien peur que non. R2-D2 est en mode veille depuis que Maître Luc s'en est allé. La mission de reconnaissance de Snap confirme ce qu'a dit Finn. C'est la base Starkiller. Oh. Comment peuvent-ils alimenter une arme d'une telle taille? Ils utilisent la puissance du feu solaire. L'arme se charge de l'énergie d'un soleil jusqu'à ce qu'il disparaisse. D'accord, mais comment on l'a fait exploser? C'est un plagiat! Pour confiner une telle quantité d'énergie, il doit y avoir un oscillateur thermique. Effectivement. Si on détruit cet oscillateur, ça peut déstabiliser le cœur et neutraliser l'arme. On va frapper cet oscillateur avec tout ce qu'on a. Il dispose de boucliers que nos appareils ne sont pas capables de traverser. Je peux désactiver les boucliers, mais il faut que je sois sur place, sur la planète. On va t'y conduire. Vous arrêtez de casser ce pauvre matériel, là. Réparation terminée. On n'a plus qu'à charger le carburant et les munitions. Du carburant, des munitions, ah oui, et des cookies wookies pour Chewie. Des cookies wookies. Je vais effectuer un dernier contrôle avant le décollage. Occupe-toi du matériel. N'oublie pas lequel de nous deux est général ici. Je fais un peu de mécanique à mes heures perdues. Qu'est-ce que tu as utilisé pour réparer le générateur de champ anti-sophie? Lui. Tropéo, on a besoin de toi. Faut communiquer là. Excusez-moi, monsieur. Auriez-vous l'amabilité de nous donner accès à la réserve? Ah, t'as dit oui, quand nous causons mon aura. J'ai pas tout compris ce qu'il vient de dire. Ouais. Je crains que Maître Numb ne soit guère d'humeur coopérative. Apparemment, on lui aurait promis une glace à la baie de Bibble pour le rafraîchir. Et il refuse de nous aider tant que la promesse n'aura pas été honorée. Pas de problème. Nien Nub est un héros de la rébellion qui a participé à la destruction de la deuxième étoile de la mort. Il peut même avoir une double dose de vermicelle si ça lui fait plaisir. Il en va de même avec Anne, mais ne lui dites pas que j'ai dit ça. Eh merde! Ah! Là c'est bon, là c'est pas bon. Là c'est bon. Ah! Pas assez rapide. Là c'est bon.
On casse tout, j'en ai marre. Pardonnez-moi. J'ai eu un petit moment de folie pure. Encore Dark Vador, putain papa, tu fais chier là. Ah, vous tombez bien vous. Au revoir, petit vaisseau. D'accord. Bon. Il nous fait chier lui et sa glace. Et on la trouve où ça? Sa saloperie de glace. Personne ici serait fier des glaces par hasard, non? Ah, apparemment faut monter en haut, sur les étages. Avec ça, cette passerelle. Comment tu as réparé le convertisseur d'énergie alors? Ah mais voilà. Oh. Oh la violence. Seuls les Stormtroopers peuvent. Peut-être que lui il arrive. C'est un ancien. Ah. Et lui il est tout lui. C'est un Stormtrooper rebelle Jedi. Ça au prix. Non. Là. Bon, on nous a fait monter ici, pourquoi? Dans le système de refroidissement auxiliaire. Ah mais voilà, il y avait un autre passage. Allez, on casse tout. Au bout d'un moment, ça suffit. Allez, y a bien un truc là. Y a rien du tout. Ça c'est pas vrai. Là, il va falloir monter en haut. Oh. Cette technique digne des plus grands maîtres Jedi. Il vous faut du carburant, c'est ça? Donne-le-moi, dépêche-toi! À moins que vous ne parliez la langue qui a été réglée sur ce terminal. J'ai bien peur de ne pas être très doué avec les échelles. Pour les gravir, j'entends. Car je parle parfaitement leur langue. Pourquoi on monte plus là? Ah, c'est l'autre qui est obligé de les faire monter, vous allez voir.
Allez, comme tout à l'heure là. T'as perdu la technique. Ah d'accord, j'ai compris. Ah d'accord, parce que sinon c'est... Ah bah, ben forcément il est redescendu. Oh qu'il est con ce personnage. Oh. Non. Ils sont repassés à côté. Putain. Bougez plus cette fois hein. Mais... Je sais pas c'est qui l'architecte de cette base, mais alors il faut vraiment le virer, hein. Un droïde de protocole, enfin. Tu m'en connais pas, je suis C3PO, hein. Je travaille ici depuis je sais pas combien d'années. Amamuna. Dayawa. Genato. Amamuna. Amamuna. Dayawa. Genato. Amamuna. Dayawa. Genato. Trouve la bonne couille. Amamuna. Ah. Amamuna. Genato. Dayawa. Oh là là, comme c'est chiant ça. D'accord, j'ai compris. Ok, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Arrête. Pourquoi il veut pas? Amamuna. Genato. Ben, ça a été compliqué, hein. Très difficile à déchiffrer. Hein. Oula, oula, il y a une excitation là. Putain. Si tu as un peu de temps, mon grippin me cause en Jawa. Alors un coup de main, ce serait pas de refus. Ça, j'écrase tout le monde, moi. Oh, j'ai un peu curiosité avant de rejoindre la réunion. Un truc qu'on a trouvé. Il ne reste plus que les missiles assommants et les cookies wookies. Les cookies wookies. Non, mais franchement, il y avait vraiment besoin de prendre des cookies wookies. Vol, petit papillon, vol! C'est quoi ça au fond? Ça mérite d'être détruit. Voilà. Léa. Ok, il nous faut. Une seconde, je vais essayer. Il nous faut du monde, Léa, et il y en avait là-bas. Putain. J'y crois pas à tout ce qu'il faut faire.
T'as quelle pourriture ce niveau. Messieurs. On y va. Là-bas il court, on sait pas pourquoi. Vite, aidez le général. Oh, merci. Enfin un truc que c'est pas moi qui est obligé de le faire. Temps sur vous, hein. C'est quoi que j'ai dans la main? J'avais un truc bizarre. Finn, peux-tu me donner un coup de main? Oh. Chargeons le matériel à bord. Poussez-vous, poussez... Oh là là. Bon, on a tout. On a tout ? Oh, désolé, Chewie. J'oubliais tes cookies. Non, je ne l'ai pas fait exprès. Pas totalement fait exprès. Mais vraiment, il y avait... Oula, qu'est-ce qu'il nous fait, lui ? Cookie de... Cookie ? Y a-t-il des cookies, ici ? Ok, bon. Non, c'est chez l'autre, là. Il veut une glace, je sais pas quoi, là, mais... Je t'ai trouvé où, la glace, je sais pas quoi. Son chiant, ces extraterrestres. Voilà, tu... Pas de glace, je sais pas quoi là, non. Ah. On a pas bien fouillé là. Pas un truc à... autre que ça à détruire, non ? Tu m'as énervé. Non.
j'étais un peu perdu là. Pour satisfaire Monsieur Nub, devrait se trouver dans ce conteneur doré. Bébé 8, peux-tu la rapprocher du sas, s'il te plaît? Tout ça pour faire ça? Pour une glace, quoi. Ça veut vraiment pas quoi faire pour ce niveau, hein, franchement. Comme c'est intéressant. Bien joué, bébé 8. Je doute que R2 ait pu le manipuler avec une telle habileté. Ces caisses sont solides. Il va falloir une puissance de feu conséquente pour les ouvrir. Messieurs. Entraînement au tir. Allez hop. C'est ce que j'appelle du tir de précision. Merci, Imri. Apportons sa glace à Monsieur Nub. N'oubliez pas, à la bête de Beeble. Il a vraiment insisté sur ce point. Il est content, hein. Bon, ouvre-moi ce truc, espèce d'enfoiré. Bon, on est bon là? Ça a été long, hein. Chasseur paré au décollage. Oh putain. Il y a quand même des choses qui ne changeront jamais. Tu me rends toujours folle. Si tu vois notre fils, ramène-le. Je sais pas si ça va être possible. Après, si ça, je dis rien. Hein. Ça ne te plaira pas. Oh non, ça c'est sûr, ça ne nous plaira pas ce qui va arriver. Bon. Et bon, ben voilà, hein, c'est la fin de cette vidéo. Plus long que les autres, j'avoue, putain, celui-là, le niveau a été assez spécial, vraiment très long, et surtout pas super intéressant. C'est vraiment du remplissage pour faire quelque chose, pour faire un niveau en plus. Donc voilà, je suis pas trop fan de ce style de niveau, donc voilà. Mais bon, il fallait bien passer par là, j'espère quand même que la vidéo vous a plu. Si ça vous a pas plu, je veux bien vous comprendre, et je vous dis à une prochaine vidéo, ciao.